Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le Centre de Formation WebTrade Institute et animé par Voldata. Je me présente, je suis Romain. Le thème abordé ce soir, c'est la méthode des tortues à travers votre Wallmaster XE. Juste avant de démarrer, j'aimerais avoir votre retour sur le son. Si vous pouvez tous me noter OK ou oui, ou même correct dans la fenêtre de chat. Merci à tous de votre retour. Donc nous allons découvrir ou avoir plus d'explications sur la méthode des tortues à travers Wallmaster XE. Juste avant de démarrer, je veux rappeler qui est Walldata. En tant que précurseur d'analyse technique en France, et ça depuis 1986, Walldata offre à ses milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Wallmaster XE est un logiciel donc ultra complet qui répond aux besoins des particuliers comme des professionnels du marché, que vous soyez débutant ou un boursier avisé, vous avez entre les mains une arme efficace et redoutable face au marché pour détecter les meilleures opportunités du marché, mais surtout intervenir au meilleur moment pour clôturer une position. Donc Wallmaster XE vous permet de construire votre propre méthode de travail qui se passe en 5 points, sélectionner, analyser, sécuriser, agir et clôturer, ou même d'utiliser une méthode prête à l'emploi, une méthode existante, comme celle que nous allons découvrir ce soir, en l'occurrence, la méthode des tortues. Donc, nous allons voir d'abord un peu la légende de la méthode des tortues, rappeler cette histoire assez extraordinaire. Ensuite, nous allons voir comment est composée l'organisation, générale, de l'espace de travail méthode des tortues, et puis on finira avec le fonctionnement clair et simple de cet atelier expert, et surtout quels sont les signaux qui en ressortent. Alors pour commencer, en ce qui concerne la légende des tortues, c'est vrai que c'est une histoire qui est assez sympathique. La légende des tortues a commencé dans les années 80 par un pari entre deux traders américains. L'un d'entre eux affirmait que le trading peut être enseigné et qu'il pouvait être appris à n'importe qui, et n'importe qui pouvait gagner en bourse. Et donc pour gagner son pari, cette personne décida d'embaucher 23 personnes exactement, venues des métiers bien éloignés de la finance. Il leur a enseigné pendant 2 semaines un système de trading qu'il utilisait, et il leur a donné un capital initial. Et quelques années plus tard, ce groupe de traders, appelé communément les tortues, vont impressionner Wall Street par des performances qui avoisineront 80% par an. C'est ainsi que cette expérience inédite va s'inscrire dans l'histoire de la finance sous le nom de légende des tortues ou méthode des tortues. Et c'est ainsi que ce trader qui avait fait ce pari, qui s'appelle Richard Dennis, trouvera qu'un individu ordinaire peut devenir un trader extraordinaire simplement en suivant rigoureusement une méthode de travail bien conçue. Donc cette méthode a été gardée secrète pendant plusieurs années. Et les règles originales utilisées par les tortues ont été présentées pour la première fois en 2007 dans un livre. Et donc, c'est ainsi que Walldata a développé la méthode, s'est inspiré de ce livre pour créer votre atelier expert méthode des tortues. Donc le principe de base de la méthode des tortues, les tortues à l'époque utilisaient 2 systèmes de suivi de tendance, un système à court terme et un système à plus long terme. Ces 2 systèmes sont basés sur les sorties des prix d'un canal, représentant les plus hauts et les plus bas sur une période donnée. Cet indicateur d'ailleurs est aujourd'hui connu sous le nom de Price Channel, désolé pour l'accent, ou encore canal de Donchian. Et la sortie des prix de ce canal est communément appelée le breakout. La force de la méthode de travail des tortues réside dans l'association des signaux d'achat et de vente avec des règles strictes de gestion des stops et des conditions de clôture des positions, ainsi que des règles relatives à la taille des positions. Donc c'est bien la combinaison de ces différentes règles et surtout leur respect qui ont permis à l'époque aux tortues d'enregistrer avec constance des performances impressionnantes. Donc, afin de mettre et permettre surtout à nos utilisateurs de suivre les traces de ces traders légendaires et de gagner en bourse, Walldata s'est inspiré de la méthode de travail des tortues afin de créer pour vous, pour votre Wallmaster XE, l'atelier expert méthode des tortues. Et évidemment, grâce à la puissance des market analyzers Wallmaster et de son interface graphique, l'atelier expert méthode des tortues vous permet de détecter rapidement et facilement les signaux d'achat ou de vente
sur l'ensemble des valeurs que vous suivez. Les règles de fixation de stop et calcul de la taille de position basée sur la volatilité de chaque valeur va vous permettre d'avoir un money management efficace qui vous assurera la protection de votre capital et des gains réguliers. Les signaux d'entrée, les stops et les signaux de sortie des deux systèmes, court et long terme, sont clairement représentés sur les graphiques et dans les market analyzers Wallmaster. Toutes ces informations sont accessibles par un simple clic. Quand vous allez passer votre souris sur un signal, une infobulle s'affiche pour vous expliquer ce signal. Et donc, tout est présent dans votre espace de travail. Sachez que pour les puristes, l'ATXT en méthode d'étarçu est entièrement paramétrable et vous pourrez modifier les paramètres originaux afin de les adapter à votre propre style de travail et aux diverses conditions du marché. Donc, en ce qui concerne l'utilisation de la méthode des tortues, cette méthode peut être utilisée aussi bien par des day traders que par les investisseurs long terme. Il vous suffit simplement de modifier la périodicité des barres utilisées dans le market analyzer et sur votre écran graphique. Je vous rappelle, à l'écran, avec la souris, pour modifier les périodes de temps, c'est pour le graphique, le bouton ici, et pour le market analyzer, la même chose là. Là, vous voyez que nous sommes en semaine sur 5 ans, mais en tout cas, c'est vraiment utilisable pour toute période de temps et surtout sur tous les marchés, que ce soit les devises, les actions, les futurs, tous les marchés peuvent être travaillés à travers votre ATXT méthode des tortues. Donc, avec cet ATXT, vous avez une méthode de travail complète, personnalisable, qui a fait ses preuves au fil des années, donc qui fonctionne et surtout qui est simplifié à l'extrême afin de vous permettre de bons résultats et surtout de comprendre facilement l'analyse technique. Donc je rappelle vraiment que les tortues étaient des traders à la base sur futur, communément appelés traders des matières premières. Mais à l'heure actuelle, la liquidité de l'ensemble des produits financiers a considérablement augmenté. Donc vous allez pouvoir appliquer sans difficulté cette méthode de travail aux actions et aux trackers. La seule condition, c'est de choisir des actions suffisamment liquides, telles que les valeurs du CAC ou du SRD, par exemple. Bon, j'espère que l'histoire vous a plu. C'était vraiment pour que vous puissiez savoir quelle est l'origine de la méthode des tortues. Donc, nous sommes sur l'écran principal, le bureau méthode des tortues. Je vous rappelle que la méthode des tortues va se situer dans Démarrer ATXpert dans la liste de vos ATXpert. Et j'ai simplement double-cliqué sur la méthode des tortues pour avoir accès à cet écran graphique, ce bureau. Ce bureau est composé, on va dire, en deux zones, trois zones dans l'absolu, mais ce soir nous en verrons que deux. La première zone, c'est la zone des market analyzers, qui correspond là en l'occurrence au système 1, donc le système court terme, basé sur les breakouts à 20 périodes. Vous avez une zone de market analyzer correspond au système 2, mais nous n'allons pas la découvrir ce soir, nous allons vraiment nous concentrer sur le système 1, et évidemment ce sont quasiment la même chose, c'est juste la période des breakouts qui change. Et la troisième zone, c'est la zone des graphiques, ici, qui vous permet de visualiser l'ensemble des signaux pour une valeur sélectionnée dans le market analyzer Wallmaster. Donc là, vous voyez, je suis sur Carrefour dans le market analyzer en question, et évidemment, sur la partie graphique, c'est bien Carrefour qui s'est affiché. En ce qui concerne les market analyzers, votre ATXT est composé à la base de 6 market analyzers. 3 pour le système 1, 3 pour le système 2. Leur fonctionnement étant évidemment similaire, on va présenter ce soir uniquement les market analyzers relatifs au système 1. Donc les market analyzers système 1 correspondent aux 3 étapes que vous allez utiliser lors de l'application de la méthode de travail des tortues. Je rappelle, c'est écrit court terme pour le système 1, mais court terme ne signifie pas forcément des trading. Il suffit de faire un aller-retour assez rapide, mais on peut vraiment le faire sur toutes les unités de temps. Je tenais quand même à bien préciser ça. Là, nous sommes en semaine, on peut travailler sur le système 1 court terme en semaine. Il faut vraiment que vous puissiez mettre ça en place. Alors, excusez-moi, j'ai une question en même temps. La méthode est-elle applicable au Forex? Alors, bien sûr, quand je parle du marché des devises, c'est évidemment le marché Forex. Ça fonctionne sur tout type de marché. Ce soir, nous allons analyser des valeurs du CAC, mais ça s'applique bien entendu aux devises. Donc, je reviens
au Market Analyzer. Les Market Analyzer, je le rappelle, ce sont nos scanners ultra puissants de marché que l'on a sur la partie gauche de l'écran. Le Market Analyzer 1, donc qui est le Market Analyzer entrée du système. Je vais vous dessiner à l'écran pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Vous voyez, ici, méthode des tortues, entrée du système 1. Donc, j'ai simplement cliqué sur cet onglet, voilà, pour atterrir sur ce Market Analyzer. Il a pour but de vous permettre de détecter les signaux d'achat et de vente sur une liste de valeurs que vous suivez ou sur un marché complet. Ainsi, grâce au système de filtre, seules les valeurs avec un signal d'entrée vont apparaître dans ce Market Analyzer. Là, ce soir, nous voyons Carrefour, par exemple, est la seule valeur du CAC qui apparaît dans l'onglet Entrée du système 1. L'onglet numéro 2, qui s'appelle Système 1 Position, donc qui est celui du bas, ici, a pour but de vous permettre de suivre les valeurs sur lesquelles vous avez une position acheteuse ou vendeuse en cours. La colonne du Market Analyzer vous donne alors toutes les informations nécessaires pour suivre l'évolution de votre position et surtout gérer votre niveau de stop. Il est important de préciser que si le Market Analyzer Wallmaster est lancé sur une liste de valeurs telle que CAC 40, toutes les valeurs sur lesquelles un signal d'achat ou de vente a été détecté seront affichées dans ce Market Analyzer du bas, position. Vous voyez, nous sommes sur le CAC, évidemment. C'est sur le CAC que nous voyons nos positions. Peu importe si vous avez vraiment la position ouverte au passage, si vous souhaitez afficher que les valeurs sur lesquelles vous avez réellement pris position, vous devez les isoler dans une liste personnelle et utiliser cette liste. Là, nous sommes sur la liste CAC 40, donc c'est toutes les positions ouvertes conseillées par la méthode des tortues. Ça ne veut pas dire que vous avez pris position sur toutes. Je vous rappelle que pour vous sélectionner une liste personnelle, si vous aviez pris position que sur les deux premières, il suffit de cliquer dans le bouton gris, de faire un clic droit, créer une nouvelle liste d'après la sélection qu'on pourrait appeler mes positions tortues. Et donc, au lieu d'analyser le CAC pour voir les positions ouvertes, en cliquant, je refais la manipulation sur marché ici, on va aller chercher la liste mes positions tortues. Et là, on va voir vos positions. Et revenons sur le CAC pour voir l'ensemble des positions ouvertes. D'ailleurs, elles sont classées par performance. Voilà. Et là, elles sont classées par performance. Donc, premier espace, entrée du système, avec les signaux d'achat, les signaux de vente. Deuxième espace, position ouverte, avec un bilan des positions ouvertes conseillées par la méthode des tortues. Et troisième espace dans votre Market Analyzer, cet onglet ici. Je vais bien vous le montrer pour que ce soit clair et bien pour tout le monde. Ici, méthode des tortues, sortie du système. Cet espace a pour objectif de vous permettre de détecter les valeurs sur lesquelles un stop glissant ou initial a été touché. Autrement dit, toutes les valeurs sur lesquelles vous devez clôturer votre position. Comme pour le Market Analyzer, entrez uniquement les valeurs avec un signal de clôture de position sont visibles dans ce Market Analyzer. Si je clique sur la sortie du système en question, j'ai deux valeurs sur le CAC que je dois clôturer. Nous allons voir après pourquoi. Sur les écrans graphiques et les assistants visuels, au même titre que les Market Analyzers, vous aurez à votre disposition deux écrans graphiques dans votre espace de travail qui seront regroupés en onglets, un écran graphique système 1 et un écran graphique système 2, ça vous l'avez compris j'imagine. Là nous allons nous concentrer donc sur le système 1, sur l'écran graphique en bar chart, ce sont les courbes, on aurait pu les mettre en bougie, mais là en l'occurrence elles sont en bar chart. Et là on peut voir le fameux price channel en bleu, donc c'est le tube bleu que vous avez là. On peut voir également le stop initial, ce sont les points marrons que vous avez sur votre graphique, les points marrons correspondent à vos stops initiales, les points bleus correspondent au stop glissant, et en bas vous avez une zone qu'on appelle ATR qui permet le calcul de la volatilité. Donc c'est la volatilité moyenne sur une période donnée, on va l'appeler N ou ATR. On va se concentrer là-dessus juste après. Donc,
Le canal bleu, ce fameux Price Channel, a pour but d'afficher le canal des prix à 20 périodes, le niveau de stop initial et le niveau de stop glissant pour chaque position. Donc, je rappelle ce qu'il y a sur l'écran graphique. L'assistant visuel en haut, signaux du système 1 départu, vous permet de visualiser facilement les signaux du système. Et la zone en bas, c'est l'APR qui sert de référence pour le calcul du niveau de stop et de la taille des positions. J'espère que c'est clair et bien pour tout le monde. Notez quand même que l'indicateur et l'assistant visuel peuvent être utilisés indépendamment sur tous vos graphiques. Donc, grâce à la puissance des market analyzers Wallmaster, vous pouvez scanner en quelques secondes la liste de valeurs de votre choix. Là, en l'occurrence, nous sommes sur le CAC et dégager les signaux d'achat et de vente sur l'ensemble des valeurs d'une liste. Donc, allons voir maintenant le fonctionnement de cet expert et les signaux. Je rappelle, pour commencer, que les tortues utilisaient deux systèmes de trading, un système à court terme et un système à long terme. Système 1 pour le court terme, système 2 pour le long terme. Concentrons-nous toujours ce soir sur système 1. Donc, entrée du système 1. Les tortues entraient en position quand les prix dépassaient d'un simple tick les plus hauts ou les plus bas des 20 jours précédents. Si le prix dépassait les plus hauts à 20 jours, les tortues achetaient une unité pour initier une position longue sur le marché correspondant. Si le prix descendait d'un tick en dessous du plus bas des 20 derniers jours, les tortues vendaient une unité pour initier une position short. En d'autres termes, un signal d'achat est généré par votre market analyzer lorsque les cours dépassent les plus hauts des 20 périodes précédentes. Une fois qu'un breakout est détecté, la position est considérée comme position ouverte et elle le demeurera tant que le stop de protection est préservé et qu'aucun signal de sortie n'est détecté. Ainsi, le premier breakout est considéré comme un signal d'entrée. Les breakouts ultérieurs sont ignorés tant que la position n'est pas clôturée. Pour vraiment vous faciliter la lecture des signaux sur le graphique de votre expert, nous allons utiliser le code couleur suivant. Lorsque une position n'est ouverte sur votre graphique, les bar charts sont colorés en gris. Lorsqu'une position ou lorsque l'entrée en position est indiquée par un bar chart vert lumineux, comme nous l'avons ici, donc cela veut dire qu'on a un point d'entrée et on peut voir le petit logo tortue en dessous. Lorsque la position acheteuse est considérée comme position ouverte, les barres sont colorées en vert sombre. Donc là, vous voyez, on a un vert un peu plus haut parce qu'on a eu une position ouverte, un signal d'achat, pardon. Et les bar charts d'après sont en vert foncé, ce qui veut dire que nous avons une position ouverte. Quelle différence faites-vous sur le graphique entre les tortues dessinées en horizontal ou en vertical? Eh bien, je vais vous l'expliquer juste après, rapidement. La tortue rouge, c'est un signal de vente à découvert. La tortue verte, c'est un signal d'achat. Et la tortue bleue, c'est un signal de clôture de position. Donc, je rappelle, bar chart gris, quand il n'y a aucune position ouverte. Bar chart vert fluo, quand il y a un signal d'achat. Bar chart vert foncé, quand une position est ouverte. La sortie de la position est indiquée par une barre orange ou bleu ciel et un icône de même couleur. La couleur du bar chart de sortie dépend du type de stop qui a généré la clôture de la position. On va revenir sur les stops juste après. Un signal de vente à découvert, donc le signal d'entrée sur une position vendeuse, que l'on peut appeler short, apparaît lorsque les cours enfoncent les plus bas des 20 périodes précédentes. Comme dans le cas du signal d'achat, seul le premier breakout baissier est pris en compte, les breakouts ultérieurs sont ignorés tant que la position est restée ouverte. Le code couleur utilisé dans le cas des positions vendeuses est la suivante. Lorsqu'aucune position n'est ouverte, les bar charts sont toujours en gris. Lorsqu'il y a une position ouverte, un signal de vente à découvert, on peut le voir. Alors je vais bien montrer pour que tout le monde puisse l'observer sur le graphique. Là, on a un signal de vente à découvert, donc on a ici un bar chart rouge. Donc ça veut dire qu'il y a une entrée en position. Lorsque la position vendeuse est considérée comme position ouverte, les bar charts suivants vont être colorés en rouge sombre. Et comme pour les positions acheteuses, la sortie de la position est indiquée par une barre orange ou bleu ciel et une icône de même couleur placée au-dessus du bar chart de sortie.
Alors vous voyez, ce sont les petits points que l'on a ici, petit point orange, petit point bleu. Petit point orange, ça veut dire c'est le stop de protection initiale. Petit point bleu, c'est le stop glissant. Le stop le plus proche du cours est affiché uniquement. C'est pour ça qu'on a soit des points bleus, soit des points oranges. On va voir juste en détail, juste après, comment mettre en place et comment interpréter ces stops. En ce qui concerne la taille des positions, dans les règles d'entrée des systèmes 1 et 2, on utilise les tortues utilisées le terme d'unité. Voilà comment il définit ce terme. Les tortues prenaient des positions que nous appelions unités. Les unités étaient dimensionnées de telle manière que n représentait 1% de la valeur du compte. Ainsi, une unité sur le marché donné peut être calculée en utilisant une formule particulière. On va voir après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a vraiment un money management intégré dans votre méthode des tortues. C'est vraiment fait pour vous donner la taille de la position optimale et tout ça est calculé pour bien comprendre la notion de n. On va dire que les tortues utilisaient un concept que son créateur appelait n pour représenter la volatilité sous-jacente d'un marché particulier. N est simplement la moyenne mobile exponentielle à 20 jours du true range, qui est maintenant plus connu sous le nom de APR, donc c'est ici. Pour comprendre l'intérêt également de l'utilisation des unités, il faut savoir que le concept de la volatilité, appelé N, était au centre de la gestion des risques des tortues. La taille d'une position, le nombre de titres détenus, est calculé par votre Wellmaster XE et par la méthode des tortues, de sorte que le risque maximal encouru par le trader et par position représente maximum 2% de votre compte. Le true range, donc en bas, ça représente la capacité d'un actif, donc c'est la zone qu'on a ici, représente la capacité d'un actif qui fluctue entre deux périodes. Cette fluctuation est mesurée en termes monétaires et non pas en pourcents. Pour une action, le true range est mesuré en euros par action. Donc c'est ce qu'on appelle N. Si je mets ma souris sur le signal d'achat de Carrefour, qu'on retrouve sur la partie graphique, j'ai d'abord indiqué à la méthode, en cliquant ici, la taille de mon compte. J'ai mis pour l'exemple 100 000 euros. Et bien, à chaque signal d'achat ou de vente à découvert, votre AT expert va vous calculer la quantité optimale. Là, on voit une unité égale 548 titres. Et pour arriver à ce calcul, eh bien, c'est A qui correspond à 1% du compte, en l'occurrence 1 000 euros, que l'on divise par B, qui est justement cette volatilité, qu'on peut appeler N ou APR, là en l'occurrence c'est 1,8237, qu'on multiplie par la valeur du point, la valeur du point est 1, et c'est parce que quand une action monte d'1, vous gagnez 1 euro, donc la valeur du point est 1. Si on travaillait sur les futurs, 1 point correspondrait à 10 euros. Mais bon, ça c'est un petit peu une précision sur laquelle on pourra revenir juste après. Mais voilà, pour calculer la quantité optimale, eh bien, on va multiplier, mais c'est fait automatiquement par votre AT expert, 1% de votre compte divisé par la volatilité fois la valeur du point. Donc, à partir de là, et en connaissant la taille de votre compte de trading, il est très facile pour votre Wellmaster XE et l'AT expert méthode des tortues de calculer le nombre d'actions Carrefour que vous pouvez détenir pour que la volatilité de la valeur représente 1% de votre compte. Le nombre d'actions est appelé unité. Donc ça, faut bien comprendre. C'est ce calcul que votre AT expert réalise afin de vous indiquer la taille optimale de votre position, cette taille indiquée dans le Wellmaster, donc sur la partie graphique et dans les market analyzers entrée. En passant votre souris, je le rappelle, sur les signaux, et bien, voilà, tout est détaillé. Là, sur Carrefour, on a un signal d'achat, ce sera calculé automatiquement en fonction de votre portefeuille. Là, j'ai pris 100 000 euros, c'est ce que j'ai indiqué en cliquant ici, dans les paramètres, vous voyez, 100 000. Eh bien, signal d'achat, je dois acheter, en suivant la méthode, 719 titres pour ne pas perdre au maximum 2% de mon capital. Si je passe ma souris sur le signal d'achat également graphique, on voit une unité, un lot, on va dire, par la méthode des tortues, 548 titres. Et ça, ce calcul est fait automatiquement. Mais il faut bien comprendre que N, c'est cette volatilité, la volatilité moyenne.
qui est exprimé en euros. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. En ce qui concerne le stop de protection et les signaux de sortie, la chose la plus importante pour couper vos pertes est d'avoir très défini le point où vous sortirez. Si le marché atteint votre stop, vous devez sortir sans exception à chaque fois. Hésiter sur cette méthode va aboutir à un désastre. Là, j'ai cité l'auteur du livre Stratégie des tortues. Comme nous l'avons mentionné dans l'introduction tout à l'heure, le succès des tortues est donc en grande partie dû à la rigueur de la gestion du capital et des positions ouvertes. Cette gestion des positions passe par la définition claire et précise des points sur lesquels une position doit être clôturée. Ces points sont définis comme suit. Stop initial, qui a pour but de protéger votre position à ses débuts, et stop glissant, qui a pour but de protéger vos plus-values lorsque les cours progressent dans le sens de votre position. Là, comme on le voit à l'écran, si on clique sur EDF, qui est une de nos positions ouvertes, eh bien, on voit que c'est notre stop glissant qui vient protéger nos gains. Ces deux notions sont clairement définies dans votre expert et représentées dans votre graphique et votre market analyzer. Le stop initial, si je me remets sur Carrefour, le stop initial est représenté par un pointillé orange. C'est le petit pointillé qu'on peut voir ici. Et le stop glissant, c'est le pointillé bleu ciel. On va revenir un petit peu dans le temps pour que ce soit clair pour tout le monde. Je vais zoomer sur mon graphique. Vous voyez, sur Carrefour, on a eu un signal d'achat. On revient dans le temps à ce niveau-là. Eh bien, nous avons des points orange et des points bleus. Les points orange, c'est le stop initial. Les points bleus, c'est le stop glissant. Le stop initial définit le niveau de risque maximum que vous encourez lorsque vous achetez ou vendez à découvert une valeur. C'est votre perte maximale possible. Ce niveau est déterminé par votre master action, mais c'est vrai qu'à la base, ce n'est pas une chose facile. Il faut tenir compte de la situation du marché, de la taille de votre compte, de la situation technique de la valeur. Là, les tortues ont trouvé une méthode de détermination du stop initial qui leur permet de ne jamais perdre plus de 2% de leur compte sur une position donnée. Voilà comment ça marche. Les tortues calculaient leur stop en fonction du risque de la position. Aucun trade ne pouvait encourir plus de 2% du risque, puisqu'un mouvement de prix de 1N représentait 1% du capital du compte. Le stop maximum qui autorisait un risque de 2% était un mouvement des prix de 2N. Donc le stop des tortues était placé à 2N en dessous des positions longues et à 2N au-dessus des positions short. Donc le stop que l'on voit ici, le point, on peut voir aussi à ce niveau-là, c'est un stop qui est placé automatiquement pour vous. D'ailleurs, on voit hein, la ligne stop placée là. Il est placé à 2N de votre cours actuel. Donc là, nous allons sur Carrefour, en l'occurrence, entrer en longue, puisqu'on nous donne un signal d'achat. Et bien, le stop est placé automatiquement. Et là, ici, c'est le stop initial qui est positionné. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde au niveau des stops? Je pourrais avoir votre retour. Je rappelle qu'un stop de protection pour des positions à l'achat est toujours placé sous les cours et il se déplace uniquement à la hausse. Inversement, évidemment, le stop de protection glissant à la vente est toujours placé au-dessus du cours et il se déplace uniquement à la baisse. Ce type de gestion prudente et intelligente de votre position va vous permettre de préserver votre capital contre la ruine et surtout de gagner à long terme. Lorsque le stop est touché, vous devez sans hésitation clôturer votre position. Dans le cas d'une position acheteuse, vous devez passer un ordre de vente. Dans le cas de votre position vendeuse, vous devez passer un ordre d'achat. Pour parler concrètement, si on se remet sur le market analyzer sorti du système, là vous voyez sur Valourec et sur Danone, notre stop a été touché.
il a même été dépassé. Le stade glissant étant le point bleu que l'on voit sur le graphique ici. Je rappelle que seul le stop le plus proche du cours, que ce soit le stop glissant ou le stop initial, est affiché. C'est pour ça qu'on a des points bleus, des points marron-orange, on va dire. Eh bien, le stop qui était à 52,78 € a été dépassé par le cours, puisqu'on peut voir que le bar chart précédent est plus bas que le stop. Eh bien, nous avons un stop glissant dépassé, donc une clôture de vente à découvert. Un rachat. Nous avions vendu ici, ça a bien descendu, mais c'est remonté et ça a dépassé notre stop. Donc, la méthode des tortues nous donne un signal de sortie, clôturer votre vente à découvert. Si on revient sur l'entrée du système, aujourd'hui, en semaine, nous avons Carrefour, un signal d'achat, un stop qui est placé automatiquement, le petit point orange que l'on a juste sur mon curseur, avec la ligne qui représente votre stop. Le cours est à 2M au-dessus du stop, tout va bien. Si jamais le cours redescend et touche l'un de vos deux stops, d'ailleurs c'est toujours le plus concret, le plus près qui est affiché, eh bien, votre valeur se situera dans votre tableau sortie du système. Donc vous avez juste à suivre la méthode. C'est pas plus compliqué, c'est très très simple. Vous achetez ou vous vendez à découvert quand la méthode vous le dit, vous sortez du système dans le même cas. Après, à vous d'interpréter quand même les choses dans la durée. Dans le cadre d'une tendance haussière à long terme, on va peut-être éviter les signaux de vente à découvert. On va privilégier les signaux d'achat, ce qui paraît logique. À l'inverse, dans le cas d'une tendance baissière à moyen long terme, eh bien on va privilégier les signaux de vente à découvert plutôt que les signaux d'achat. Pour que ce soit clair pour tout le monde au niveau des stocks, si on prend une valeur, peu importe laquelle, mais en position ouverte, par exemple EDF, nos stocks sont placés, ce sont les points bleus, c'est donc le stop glissant qui est le plus près du cours actuellement, vous voyez, ça monte, ça suit votre valeur, qui est représentée en bar chart. Là, le stop glissant est actuellement à ce niveau, on voit que le cours est largement au-dessus, très bien, la position verte continue. Si jamais le cours venait à toucher le stop, EDF serait dans sortie du système. Donc c'est très simple à comprendre et j'espère que c'est un cas plus que concret pour celui qui a posé la question. Donc le stop glissant, pour revenir dessus, se définit comme un niveau de sortie qui se déplace dans le sens de vos positions afin de protéger vos plus-values. Étant donné que le plus bas ou le plus haut évolue dans le sens de votre position, les niveaux de sortie peuvent être assimilés à un stop glissant. C'est pour cette raison que dans le cadre de la TXPR méthode des tortues, on utilise le terme de stop glissant. Le stop glissant, c'est clairement les plus bas des 10 périodes dans le cas d'une position acheteuse, le plus haut des 10 périodes dans le cas d'une position vendeuse. Ces niveaux de prix sont indiqués dans le Market Analyzer, en passant votre souris dessus. Stop 26,373. On peut le voir en bas à gauche, mais surtout sur le graphique par la couleur bleu ciel, donc les points bleu ciel. Pour être simple, votre position doit être clôturée lorsque votre stop est touché. Niveau stop est ajusté automatiquement en fonction de l'évolution des cours. Pensez à ajuster votre niveau de l'ordre stop si vous en utilisez un chez votre broker. Alors votre AT est-il capable de nous donner le nombre de positions gagnantes et le pourcentage de valeur du gain? Alors, on a juste à regarder dans le tableau, je fais une petite parenthèse, mais c'est une très très bonne question, dans le tableau des positions vertes, vous voyez, EDF, position verte, on a un résumé de la position verte, on est à 85,51% de plus-value, l'action, on a gagné 13,344 € pardon, par action. On est rentré à 15,606 €, là, actuellement, le dernier cours est à 28,95 €. Je regarde sur EDF, pour qu'on puisse bien avoir à l'écran. On a eu un signal d'achat le 2 avril à 17h45. 2 avril 2013, je tiens à préciser. Eh bien, on a fait une plus-value pour l'instant de 85%. La position est toujours ouverte. Vous pouvez la clôturer si vous avez besoin de cet argent, mais voyez, le but c'est vraiment de suivre cette méthode. Capgemini, 34,21%. Vinci, 39,94.
51% pour Crédit Agricole. Et si on regarde dans le passé, c'est la même chose, hein. Il y a eu des petites pertes, mais qui sont vite coupées grâce aux stocks qui sont placés très très proches. Mais c'est quand même, en général, de belles plus-values qui vous sont proposées. On a une position, voilà, une ou deux, moins 1,33%, moins 2,70%, parce qu'il y a une grosse chute. Mais en tout cas, cette méthode vous garantit de ne pas perdre plus de 2% de votre capital. Alors, le nombre de stocks, le stock évolue, et bien, comme je l'ai dit, en fonction des 10, du plus haut, pardon, des 10 périodes dans le cadre d'une position acheteuse, et du plus bas, pardon, excusez-moi, des 10 périodes dans le cadre d'une position acheteuse, et du plus haut des 10 périodes dans le cadre d'une position vendeuse. Donc, il est automatiquement calculé par votre AT expert méthode des tortues. D'autres questions? Donc, profitez-en pour poser vos questions dans la fenêtre de chat. Je refais le chemin classique d'un utilisateur du Wallmaster XE. Admettons, je viens d'ouvrir. On va passer à la pratique. J'ouvre mon AT expert. Je double-clique. Je rappelle comment est organisé votre espace de travail. À gauche, les market analyzers avec trois onglets. Entrée du système qui vous donne les signaux d'achat ou les signaux de vente à découvert. Position ouverte en bas qui fait le bilan de l'ensemble des positions ouvertes conseillées par la méthode des tortues. Alors, signal à 17h45 parce que nous étions en fin de journée, nous sommes en semaine. Je tiens à le préciser pour celui qui vient de poser la question. Entrée du système, partie 1, partie 2, position ouverte, partie 3, sortie du système. Donc, ce qu'il faut faire quand vous ouvrez la méthode des tortues quotidiennement ou de façon hebdomadaire, regardez quelles sont les valeurs qui vous sont conseillées, quels sont les signaux d'achat ou de vente à découvert, faire le bilan de vos positions ouvertes et également regarder quels sont vos signaux de sortie. Et sur la partie graphique, visuellement, le cours représenté en bar chart, le fameux canal qui englobe le cours en bleu, les signaux d'achat, les tortues vertes, les signaux de vente à découvert, les tortues rouges, et surtout, le stop le plus proche du cours entre le stop initial représenté sur le graphique par les points orange et le stop glissant représenté par les points bleus, votre stop placé qui va suivre, protéger vos gains, protéger ce que vous avez réussi à mettre en place dans votre portefeuille et qui va déclencher une alerte évidemment s'il est touché. Donc c'est simple, vous avez juste à suivre la méthode, vous pouvez la paramétrer si vous en avez envie, mais en tout cas, elle a largement fait ses preuves, elle fonctionne depuis longtemps et quand on regarde le bilan sur le CAC des positions ouvertes, 85%, 34%, 39%, 36, 51, 15%, voilà, 22%. J'aimerais avoir, évidemment, acheté toutes ces valeurs, mais en tout cas, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gains. Quelques pertes, mais qui n'excéderont pas 2% de votre capital. Les tortues horizontales, eh bien, c'est que le stop a été touché. Ce sont les signaux de clôture pour répondre à votre question. Évidemment, c'est bien. Tortue bleue, c'est que le stop glissant a été touché. Tortue orange, c'est que le stop initial a été touché. Tout simplement. Donc c'est vraiment une méthode prête à l'emploi, hein, complète, qui comprend la règle de prise de position pour entrer au bon moment, les règles du money management, qui je rappelle sont les règles de gestion de position et de risque, et les règles de clôture des positions gagnantes. Donc de ce fait, votre AT expert méthode des tortues est une méthode de travail complète, prête à l'emploi, qui va vous permettre de travailler sur tout type de produits, les actions, les futurs, les trackers, les CFD, le forex. Évidemment, cette méthode permet de travailler à la hausse comme à la baisse, comme on l'a vu, quel que soit votre horizon d'investissement, que vous fassiez du swing trading ou même de l'investissement court, moyen terme, cette méthode va s'appliquer. Alors, j'ai une question, je vais la lire. Un décret, une exigence d'entraînement. Existe une période selon les conjonctures. Est-ce que vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît?
Donc je rappelle, les parties utilisaient deux systèmes de suivi de commande, l'un à court terme, l'autre à long terme. Ce soir, nous sommes concentrés sur le système 1, court terme. Les deux systèmes sont basés sur les breakouts, sur les cassures, des plus hauts et des plus bas, sur une période donnée. Dans un scénario à court terme, on se base sur les plus hauts et les plus bas de 20 périodes. Dans le cas d'une étude sur le long terme, donc sur le système 2, ce sont les breakouts sur 55 périodes qui sont utilisées. Cette méthode est complète. Les signaux d'entrée sont complétés par des règles strictes de gestion du capital et des conditions de clôture de positions qui sont bien définies. Et c'est grâce à la combinaison des différents critères et surtout leur respect que les tortues ont pu enregistrer avec constance des performances impressionnantes. Donc vous-même, vous allez pouvoir le faire grâce à votre expert méthode des tortues. Cette méthode exclusive intègre deux types de scénarios, haussiers et baissiers, applicables facilement sur tout type de marché, une méthode avec money management. Ça va vous permettre d'optimiser la taille de vos positions suivant la volatilité et surtout de vous assurer une bonne gestion de vos capitales avec des gains réguliers. C'est une méthode prête à l'emploi. Les signaux d'entrée et de sortie sont détectés dans les market analyzers sur l'ensemble des valeurs qui vous intéressent. La différence avec Investor Plus, pour répondre à la question, c'est que ça utilise d'autres critères pour détecter les points d'entrée. Tout simplement, c'est une autre méthode. Si on utilise un breakout à 10 périodes, pourquoi pas? Mais là, vous changez les paramètres, vous allez pouvoir le faire. Vous pouvez les modifier, vos paramètres. Système 1, voilà. Achat, breakout sur 10 périodes, vous pouvez mettre 10 périodes. Et vous pouvez paramétrer vraiment votre propre stratégie identique à celle des tortues, mais adaptée à votre horizon d'investissement ou directement utiliser la stratégie déjà réglée, pour l'appliquer à travers votre portefeuille. Si on utilise la semaine comme période courte, on peut prendre les années comme période longue. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que court terme signifie aller-retour rapide. Et on peut le faire sur toute unité de temps. Donc vraiment, tous les paramètres sont modifiables. Vous êtes libre d'adapter la méthode à vos préférences et aux diverses conditions du marché. Et je vous assure que cette méthode est vraiment utilisée sur tout horizon de temps. Donc que vous soyez des traders, swing traders, ou vous fassiez de l'investissement moyen long terme, vous allez pouvoir l'appliquer. Le signal d'achat étant un plus haut des 20 périodes, alors le stop est-il équivalent à une moyenne des 20 périodes? Je l'ai dit, le stop initial, pour rappeler exactement le calcul, le stop glissant, c'est dans le cas d'une position à l'achat le plus bas des 10 dernières périodes et dans le cas d'une position à la vente le plus haut des 10 dernières périodes. Est-ce qu'on a un tutoriel? Et bien évidemment, vous pourrez très facilement, en cliquant sur démarrer, la méthode des tortues, vous ne double-cliquez pas, vous avez à droite le manuel numérique, le webinaire pour me réentendre et la newsletter. Et ceci, d'ailleurs, fonctionne pour toutes les méthodes, que ce soit divergence, Ishimoku, impulsion, avant d'ouvrir votre méthode, avant de double-cliquer dessus, à droite, vous avez le webinaire de manière numérique. Je reviens sur la méthode des tortues. On va changer les paramètres. On va mettre un portefeuille de 50 000 euros, par exemple. Valider. Mais évidemment, tout est recalculé, puisque la méthode des tortues vous garantit de ne pas perdre plus de 2% de votre capital. Il y a toujours un signal d'achat sur Carrefour, ça ne change pas. La règle me conseille, en fonction de mon capital de 50 000 euros, puis 1% de mon compte correspond à 500 euros, d'acheter 359 unités. Je clique sur le marteau, c'est moi qui notais que 1M est égal à 1% du compte. Et mon stop est passé à 2M, mon stop initial. Voilà pourquoi je dis que je ne peux pas perdre 2% maximum. Enfin, je ne peux perdre que 2% maximum. Qu'en est-il de la position d'emprise si le trade précédent est gagnant? Si vous pouvez avoir un peu plus de précision sur votre question. Pour accéder au système 2, c'est assez simple, vous recopiez, vous ouvrez votre un market analyzer identique que vous mettez en anglais et que vous vous mettrez sur système 2, le système 1. Ici, vous avez système 1, système 2, vous validez, vous affichez votre système 2.
Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que OneMaster XE, c'est vraiment l'outil le plus perfectionné du marché. Ça vous permet de mettre en place une stratégie, une méthode de travail qui passe par 5 points. Sélectionner, analyser, sécuriser, agir et clôturer. Pour ceux qui souhaitent utiliser une méthode prête à l'emploi, eh bien la méthode des tortues est idéale, puisque c'est une méthode qui a fait ses preuves, qui fonctionne sur tout horizon de temps, qui marche sur tous les marchés, et surtout, c'est important, ça vous aide à comprendre l'analyse technique, tous les signaux sont décryptés, donc on passe sa souris sur n'importe quel signal, sur n'importe quelle tortue, là en l'occurrence, il vous est expliqué, décrypté, vos stops sont placés automatiquement, vous avez un tableau qui vous donne les valeurs sur lesquelles vous devez agir, que ce soit à l'achat ou à la vente à découvert, le bilan de vos positions ouvertes et les valeurs à clôturer. Donc là, j'ai envie de dire, le travail est vraiment mâché, tout est fait pour que vous puissiez vraiment agir le plus rapidement possible, que l'on travaille en jour, en semaine ou en année. N'hésitez pas à m'appeler si vous souhaitez plus de précision. Je suis là encore jusqu'à 19h30. Évidemment, pour tous ceux qui ont eu la chance de participer à ce webinaire, équipez-vous vraiment. Ça peut au marché, il faut s'équiper pour gagner. Il n'y a pas de secret, il faut une méthode. Il faut être rigoureux. Tout ça, bah, vous l'avez dans la méthode des tortues. Voilà, équipez-vous et appelez-moi directement au 01 58 71 21 99 pour avoir un peu plus d'informations. Je le répète, je suis là jusqu'à 19h30. Donc voilà, c'est une méthode qui va vous permettre de gagner, qui va vous permettre de gérer votre portefeuille efficacement. Même si ça fonctionne sur plusieurs marchés, c'est quand même sur les marchés les plus volatiles. Regardons le bilan des positions ouvertes. Voilà, c'est un fait, c'est un constat. Nous avons affiché le CAC 40. J'imagine que beaucoup d'entre vous travaillent sur ce marché. On peut se mettre sur le SRD. On a encore quelques minutes ensemble. Allons-y sur le SRD pour voir ce que ça donne. Évidemment, je vous mets sur le SRD dans l'entrée du système 1 et dans le tableau du bas également, puisque je veux suivre mes positions ouvertes sur le SRD. Et entrée, je vais mettre SRD. Donc, admettons, j'ai un peu de temps à consacrer à la bourse aujourd'hui. Je travaille sur un horizon de temps un petit peu plus long. J'ai donc mis mon market analyzer en semaine. Et bien, dans le SRD, je retrouve Carrefour, évidemment. Et j'ai un signal d'achat également sur Christander. Et d'un coup d'œil, je vois qu'il faut que j'achète 87 titres parce qu'à la base, j'ai rentré le montant de mon portefeuille. J'ai mon stop glissant qui est proposé tout seul. Voilà, je sais quelles sont les valeurs sur lesquelles je dois me concentrer aujourd'hui. Je fais un bilan de mes positions ouvertes. Alors que j'ai suivi ou pas, et il nous affiche toutes celles conseillées. Bolloré, 165%, il nous a donné un signal d'achat, la méthode nous a donné un signal d'achat le 4 mai 2012, 165% de plus-value. Financière OD, 201%, Natixis, 117%. Et vous voyez, si on descend, c'est quasiment que du vert. On a très 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 peu de positions négatives. D'ailleurs, je n'en vois pas encore. Ah, moins 2%, moins 1%. Ça reste vraiment très très faible. Alors, vous allez pouvoir transmettre vos ordres. Ce qu'il faut faire chez votre broker, vous reproduisez quotidiennement votre stop qui est proposé par la méthode des tortues, reproduisez-le chez votre broker. Et comme ça, votre offre va clôturer automatiquement chez votre broker en fonction du stop qui est proposé. Alors, on ne retrouve pas dur dans les positions ouvertes. Eh bien, c'est logique puisque nous avons un signal d'entrée, donc il n'est pas encore dans les positions ouvertes. Il y sera à partir de la semaine prochaine, puisque nous sommes en semaine, donc chaque bar chart représente une semaine de cotation. Si je regarde la semaine prochaine, Christander aura disparu, il sera dans position ouverte. Et quand je regarde les sorties du système, eh bien j'ai 5 valeurs à clôturer. Évidemment, si j'étais rentré sur les 5, je dois clôturer celle-ci parce que mon stop glissant a été enfoncé. On le voit, la tortue bleue, le stop glissant a été enfoncé, la position doit être clôturée avec une plus-value de 2,46%. Bon, c'est pas la meilleure du market analyzer, mais cela vous prouve bien, que je prends ce qui s'affiche à l'écran. Voilà, une méthode simple, qui fonctionne, prête à l'emploi, position ouverte gérée pour vous, le money management géré, avec le nombre de titres à acheter, voilà, équipez-vous. Et avec cet attaque expert, vous êtes vraiment armé face au marché.
Et oui, on peut se mettre en un jour, deux ans, bien entendu. On va essayer, là nous sommes en semaine. On va se mettre en jour. Évidemment, si je mets mon market analyseur en jour, je dois mettre le graphique en jour. HSBC, signal d'achat, on nous donne un signal d'achat dessus. Après, c'est une tendance un peu baissière, mais à vous d'interpréter aussi, de lire ou pas. En tout cas, on nous donne l'information en fonction du portefeuille que j'ai rentré. Je rappelle, en cliquant tout simplement, et bien sûr, le petit marteau ici, j'ai mis un portefeuille de 50 000 euros, et bien, on vous conseille, d'acheter 4252 HSBC. 4252 actions. En ce qui concerne mes positions ouvertes, un jour sur deux ans, Eiffage, 21%, nous avons eu un signal d'achat le 6 février, donc il y a un peu plus de deux mois. GDF, 18 février, 14% de plus-value. Voilà. Le but étant, évidemment, vous l'avez compris, de gérer vos positions ouvertes le plus longtemps possible en relayant les stops, que ce soit les stops initiales ou les stops glissants, de jour en jour, de semaine en semaine, et vous pouvez évidemment clôturer vos positions à tout moment. Et donc, dans sortie du système en jour, eh bien, voilà, je dois clôturer CNP Assurance, moins 2% là sur le coup, Thalès, moins 1,54%, parce que mon stop glissant est enfoncé, et Total Gabon, je dois clôturer parce que mon stop glissant a été dépassé, 12% de plus-value, et Havas, 2% de plus-value. Donc, vraiment tout est géré, c'est ça qui est intéressant avec la méthode des parties, le money management est géré pour vous. Et bien la courbe N, on peut s'en servir, mais elle est déjà utilisée pour calculer le montant, le nombre de titres à acheter. Donc on va s'en servir, mais c'est pas ce qui va servir de référence pour la sortie. Ce qui sert de référence pour la sortie, c'est le stop qui est placé automatiquement, le stop le plus proche, que ce soit le stop glissant ou le stop initial, les points gris, les points orange pardon, ou les points bleus, dès que le stop est touché, vous clôturez. Pourriez-vous vous montrer? Alors, il y a une question. Comment avez-vous un tutoriel? Eh bien, j'ai répondu à cette question. Évidemment, vous avez plusieurs informations dans le guide numérique. Pour répondre à Marcel, j'ai répondu, vous aviez le guide numérique en cliquant sur la méthode des tortues, le manuel numérique ici. Alors, je ne vais pas montrer beaucoup toutes les valeurs, mais on peut évidemment aller sur clé pierre si vous le souhaitez. Si vous pouvez juste me rappeler le mémo, s'il vous plaît, de cette valeur. Ok. Clépierre, signal d'achat le 4 avril. En fait, cette méthode vraiment fonctionne sur tout horizon de temps. Que vous fassiez du court, du moyen, du long terme, vous avez deux systèmes. Là, on a vu ce soir le système court terme, mais c'est le même principe pour le système 2. Simplement, ce ne sont pas les 20 périodes qui sont calculées, mais les 55. Ça fonctionne sur tout horizon de temps. Donc, équipez-vous. Ça sera forcément rentable en une ou deux, un ou deux allers-retours court terme, vous aurez rentabilisé votre ATX par méthode des tortues. Donc je le rappelle, nous sommes là jeudi, vous avez jusqu'à la fin de la semaine si vous souhaitez plus d'informations et bénéficier de l'offre qui est réservée à tous les participants de ce webinaire, 01 58 71 21 99, moi-même je serai là jusqu'à 19h30. En tout cas, j'espère que j'ai répondu à vos questions, j'espère que vous avez pu en savoir un peu plus sur la méthode des tortues, j'espère que ce webinaire a été clair pour vous. Donc, merci de votre retour. Je vous souhaite en tout cas, de la part du centre de formation World Trade Institute et de World Data, une excellente soirée. Vous retrouverez ce webinaire sur YouTube à partir de lundi. Normalement, si tout se passe bien, on pourra le mettre également sur le site si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations en ce qui concerne, eh bien,
le LaTeXpert méthode des tortues. Je vous remercie à tous de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée. Ah, excusez-moi, j'ai encore une question. Ok, bah écoutez, si vous souhaitez plus d'informations sur la méthode des tortues, appelez-moi directement, après ce webinaire, encore une fois, je suis là jusqu'à 19h30. Bon, merci de votre attention, je vous souhaite à tous une bonne soirée, moi-même ainsi que OneData et surtout Webtrade Institute. À très bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir à tous.